Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights, Halls of the Underdark. Dans la dernière session, comment vous dire, c'était compliqué dans le sens où cette map est extrêmement grande, qu'il y a des téléporteurs partout, mais j'ai rencontré 2-3 personnes très très sympathiques, notamment un petit golem. Ouais. J'ai découvert. Enfin, j'ai parlé à un petit troll que j'ai dû combattre qui se trouvait ici normalement, je ne sais plus. Et je suis en train de redécouvrir le jeu parce que ça fait un petit moment que je n'y ai pas joué. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas vu qu'il y avait ces coffres. Dans mes souvenirs, je n'ai. Oui, donc en fait, si. Et alors, ça, je sais pas quoi ça sert. Du coup, je. Oui. Ah oui, ça y est, je m'en souviens, c'est le labyrinthe, c'est là où j'ai perdu un maximum de vie et j'ai fait n'importe quoi. Du coup, nous sommes sur tout le. Nous sommes dans la partie nord du premier étage. Et je me suis dit, tiens, et si je faisais la full map complète, c'est-à-dire qu'on va tous taper. Donc toute la partie nord est faite. On a Dikin, on a un stuff potable, on va dire, que je n'ai pas rangé évidemment, parce que ranger, c'est pour les faibles. Et on va continuer d'explorer un petit peu tout cela. Oh, bonjour, c'est quoi ça? L'eau des miroirs. Mais c'est parfait, ça m'inspire absolument pas confiance tout cela. Oui? Alors, les choses sont pour une fois, ça doit être celle des miroirs, et Dikin, bien souvenir. Et qu'est-ce que tu sais? Alors, Dikin, lui, que c'est le miroir le plus près de l'entrée. Ceux qui peuvent aller loin dans mon profond, la voix avant. Ah! Alors, déplacer Dikin, pas savoir. Me copier, c'était. Oui, alors. Dikin, que oui, mais beaucoup de miroirs, pas être comme ça, et si vous tout cassez, vous avoir beaucoup de malheur. Mais. Ok, et bah, joie, bonheur, qui va m'arriver. Regarde-moi ces miroirs, oh, c'est beau. Oh, je m'admire. Voyez votre reflet dans le miroir, mais par terre, près de vos pieds, sont étalés plusieurs objets tentants, presque aussi réels qu'on les touche, pour qu'on les touche. Oh, est-ce que c'est pas un tout petit peu, mais un tout petit peu des pièges. Ouais, pour l'instant, il n'y a rien de bien superbe. Voilà. Oh putain, 1000 pièces, 1000 balles. Oh, je peux te dire que ça, c'est du bon gros piège, ça, maman. Par contre, il y a un petit atelier ici, je le vois. Une potion, une pierre de teneur. Non, je sais très bien ce qui peut m'arriver. Ce qui pourrait potentiellement m'arriver. Et oui. Mais intéresse. Oh, mais il y en a de l'autre côté. Oh là 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 là. Oh, c'est quoi? C'est une lutte. Un lutte. Mais je ne suis pas prête. Très bien, donc ça c'est le full. Ah! Vous regardez, chef! Un demi-orc mort! Juste là! Ça tombe bien, Dalin. On va te ressusciter. Salutations. Salut! Alors, on est tombé dans le piège comme un con? Comment suis-je arrivé ici? Je me souviens d'un combat, puis l'obscurité. Mais votre visage m'est familier. Nous sommes du même côté. Oui. Il y a eu un combat à la taverne, hein. Tire un œil, oui, de l'eau poursuivie, et voilà. Très bien, dites-moi ce qui vous est arrivé. Alors, oui. Alors, l'eau poursuivie dans le donjon. Nous attaquons ici mon fils. Ah, très bien, et comment tu es mort? Ah oui. Ah. Ça alors. Oui. Oui, savez-vous où se trouvent vos compagnons? Très bien, dans ce cas, qu'est-ce que tu vas faire à présent? Bah, tu vas rentrer à la taverne. Sans doute mieux.
Allez, casse-toi. Bon, alors nous avons donc une deuxième personne. Donc ça nous fait deux personnes, sachant que le but est de retrouver les quatre qui sont morts. Personnellement, c'est mon but. Donc si j'ai de la chance, on devrait pouvoir les trouver dans le dans tout étage 1. J'ai gagné combien d'XP d'ailleurs? Oui, parce que moi j'aime l'XP. Petit 500. Petit 500 d'XP. C'est pas dégueulasse, mais c'est parfait. Ce qui fait que je suis... Ah, je suis à 10 000 points. 10 000 points du level up. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a des trucs et des machins. On est en train de tout visiter. Je suis en train de tout visiter. Ah! C'était un piège. Je pense que c'est un piège. Vous êtes beaucoup trop. Messieurs, arrêtez, vous me faites planter. Ah, petit monstre. Petit monstre, il semblerait. Ouais. Viking pour m'aider. Mais qu'est-ce... Ah, mais il y a des orques. Enfin, il y a des orques, il y a des trolls, il y a des... Il y a de tout. Par contre, Dikin. Dikin, mais... Ah, merci. Parce que là, je suis un tout petit peu, mais un tout petit peu dans ce qu'on pourrait appeler... L'ennui et le caca. Voilà. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait mourir, parce que là, je suis en train de prendre beaucoup trop de malus et je suis hébété. Ce que j'avoue être une excellente situation. Ah bah, je suis mort. Oh, c'est pas mal. Heureusement que j'avais sauvegardé le MDR. Bon, on va faire autrement. On va les laisser s'entretuer. On va les laisser s'entretuer. On va regarder tout ça. Donc là, il y a un piège. Voilà. Il y a quelque chose d'étrange Oh! ici. Bah, ça alors! Une porte! Voilà. Et là, on va gentiment, mais gentiment, les laisser s'entretuer de manière discrète. Voilà. Là, vous voyez, ils sont en train de se battre. Hein, Prenez votre temps. C'est quand même beau. En même temps, c'est pas trop difficile de tuer ces personnes. Voilà. Je pense que c'est bon, on va se montrer. On va pas bouger. Regardez-vous, voilà. Vous allez vous exterminer, mais écoutez. Tant mieux pour vous. Voilà. On peut donc voir. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils attaquent par contre. Monsieur, vous attaquez quoi? Ouais, vous êtes trop con. Je vais en attaquer un pour voir ce qui se passe. Alors juste un. Bon bah un. Oh merci pour le bonus. Deux. Trois. Ah ils attaquaient le garde. Ah non, la petite merde, la fée. Bon bah je vais aussi t'attaquer. Si tu... Ouais. Allez. Oh, critique à 30. Bien ça. Bah voilà. Et ça s'est étrangement mieux passé. Ah c'est... C'est bizarre hein. C'est... Non, c'est pas. La RNG a dû être beaucoup plus tolérante. Oui, et beaucoup plus sympathique. Alors, on va ouvrir les coffres. Est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux...
Ouais, le coffre et le déverrouiller. Il y a un hôtel là, qui est un hôtel. Alors, qu'est-ce qu'on en a? Ouh, un sceptre blanc. Waouh! Ah, je la prends. Ah, c'est trop beau. Il est beau ce sceptre. Là, il y a un coffre, sans doute, verrouillé et piégé. Non, ce serait trop facile sinon. Alors, sort, des sorts, restauration partielle, rapidité de groupe, une cape mineure. Inutile. Peut-être qu'avant d'aller en dessous, enfin à l'étage 2, je vais retourner vendre des trucs et me prendre des vraies potions. Parce que j'ai fait l'erreur d'acheter beaucoup trop de potions. Alors cette porte, secrète. Mais où mène-t-elle? Dans ce couloir secret. C'était évident. Ce couloir secret-ci qui rejoint ici. Et donc après, on ira à Batou là-bas. Il faudra tout remonter. Ce couloir est mystérieux. J'ai cru voir passer un truc. Non, en fait, c'était mon ombre. Nani? Ah mon Dieu, on m'attaque, je ne sais pas où tu es. C'est un commando. Par contre, j'aimerais. Voilà, j'aimerais attaquer. Est-ce que je suis en train de crever contre des drones? Je suis en train de crever contre des drones. Je suis complètement mort. Oui. J'ai pas bien compris quoi, pourquoi, mais. Je le vis bien. Je le vis bien, écoutez, je suis mort. Comme un gros cake. D'ailleurs, Deakin, je sais pas où il est. Ah bah, il était là. Putain, ils sont derrière. Ah putain, je l'ai vu. Je t'ai vu. Tiens, mange. Je suis hébété. Dans le tas, faut que je sois étourdi. On va dire que je suis mort. Là, actuellement. Non, pas toi, lui. Lui, c'est toi. Toi, tu deals de la maille. Oui, bah écoute, hein. Paf, paf, allez. Paf. Voilà. Tant que j'en tue au moins un. Bon, Dikin, il le vit bien. Vous en faites pas pour Dikin, il vit bien sa situation. Bon, il le vit moyennement bien. Mais c'est pas grave. Oui, tu es mort, Dikin, c'est pas grave. Ah, par contre, est-ce que c'est un petit peu un combat d'incompétents? Des flèches à bout portant, et moi, je. Il passe à travers mes cure-dents. C'est super. Le fun. Gros combat, gros fun. Ah, mais c'est. Ah, mais c'est toi qui dis. Ah, la vache! Ah mais attaque! Putain mais quel incon, mais quel con! Mais quel gros débile! Attaque! Temps de réaction! Temps de réaction de cet homme fou! Bon bah ça ne marche pas, écoutez hein. On va éviter de perdre du temps. On va éviter de perdre du temps. Voilà. Allez, 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 bien, allez à toi. Non mais je le touche pas, cette blague. Je suis en attaque sournoise, attaque d'opportunité. Non, jamais. Putain, merci. Il est où? Il est où le dernier? Il est où le dernier? J'ai entendu le dernier. Où qu'il est? Tu es là. Toi. Tu m'ennuies beaucoup trop.
J'ai sauvegardé pendant qu'il faisait son sort. Est-ce que c'est pas la pire idée du monde? C'est la pire idée du monde. Par contre, Dikin, quand tu veux. C'est vraiment quand tu veux, quand tu te sens prêt. Ça se paraît qu'il y a un autre combat là-bas. On m'aurait menti. On m'aurait pas menti. Dikin dort. Est-ce que tu peux encore plus faire moins que ça? Ah non, il joue du lutte. J'ai l'impression que ça marche, Dikin. Tu veux mon avis? Ah, mais ce combat d'infirme. Alors, nous avons ici Jean-Yann là qui essaie d'attaquer, mais ça ne marche. Voilà, ça marche une fois sur 40. Et Kevin, juste à côté, qui est en train de faire n'importe quoi. Non, mais moi je pense, voyez-vous, que je n'ai pas mon vrai équipement. Putain, il y en avait un autre. Oh, sac à merde, man. Oh, est-ce que je vais devoir abuser de cette technique ancestrale qui est la strat du reload pour avoir mes deux coups d'opportunité gratos et ainsi augmenter mes chances de le tuer très vite. Ah non, ça ne... Ah bah voilà, 22-43, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Est-ce que t'as pas un drop? Genre vraiment. Bon. Là franchement, je suis extrêmement mal. Va falloir que je m'achète des vraies armes. Des vraies armes à une main. Parce que je le vis très mal pour le moment. Ça c'est une sortie. Là c'est une sortie. Oui, c'est une sortie là-bas. Dikin, est-ce que tu peux me suivre? Genre non, pas le portail. Ne prends plus les portails. Et là on va me dire qu'il y a encore une embuscade. C'est pas drôle. Hein, sinon. Ah, c'était un couloir. Avec un mur et Dikin, je l'ai vu. Ah, merci. Petit temps. Par contre, Dikin, il a complètement disparu pendant à peu près 10 secondes. Et je suis ici. Parfait. Ok, donc ça c'est un mur. Ah bah voilà. Ah, mes capacités pour trouver des portes. C'est un talent, j'ai envie de vous dire. Et donc, j'ai marché dans le cercle, c'était pas la bonne idée. Donc il y a une porte. Une porte mystérieuse. Et c'est la sinistre statue, mais c'est trop bien. Alors, Dikin. Des dragons, bah des dragons. Oh, mais il y a des pièges partout. Ah oui. Bonjour. Vous êtes un dragon. Oui. Alors, j'ai pas une super expérience hein, dans les dragons. Hein. Je tiens à le mentionner, mais je vais passer. Je vais passer. Tranquillement, en désamorçant les pièges un par un, vous n'en voyez pas d'inconvénient. Il en voit un inconvénient. Oui, alors, sachez que je ne fais que passer, voilà. Je vais juste vous enlever de ce petit piège. Vous êtes une très très belle statue. Quoique là, ces cornes, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais passer, hein, voilà, je vais passer par la porte. Je vais juste vérifier, au cas où, si vous n'avez pas tué quelqu'un ou un quelconque coffre. Coffre. Ce coffre doit être piégé. Et si j'ouvre ce coffre, ça doit déclencher un maléfice ou une sorcellerie dans ce genre. Ah, c'est trop tentant. Ah, il y avait un piège sur le coffre. Pour l'instant, je le vis bien. Ce coffre a l'air mystérieux. Ok. Ok. Genre, ça m'est inutile. Je prends ça. Ah, c'est guérison suprême que j'ai. C'est quoi mes autres potions que j'ai acheté comme un gros débile?
Après, c'est restant partiel et guérison. Ah, c'est guérison qu'il fallait que je prenne. Voilà. Alors, Ludra, je sais que vous voulez qu'on s'amuse. Je sais que vous voulez qu'on s'amuse. Très bien. Tu vois ce dragon? Allez, vas-y. Ah, effrayé, voilà. Pour vous dire à quel point je suis fort contre les dragons, que je hais ces dragons de... Que je hais les dragons, que je ne sais pas... que je ne sais pas du tout comment... qu'est-ce qu'il faut que je fasse contre un dragon? Hein? Du coup, on va le laisser tranquille. Non, 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 il s'est rien passé. T'as rien vu. C'était une feinte. Oh là, mais cette hitbox, il me prend 3 quarts de l'écran. C'est ça, c'est verrouillé. Mais je suis un voleur.